Alors pour terminer, en fait, je voulais vous proposer les travaux d'André Tricot, que vous connaissez certainement, et dont les travaux sont très diffusés. Et il me semble que c'était intéressant parce que pour répondre à des dilemmes et à des dilemmes professionnels. La question qu'on se pose souvent en tant que professionnel, c'est est-ce qu'on fait la même chose avec les élèves les plus en difficulté et les élèves les plus avancés ? Alors, on va voir ce qu'André Tricot dit. Alors, il vient d'écrire un petit ouvrage chez Retz, dont je fais la promotion parce que je trouve qu'il est vraiment extrêmement intéressant, sur l'innovation. Et il s'appelle d'ailleurs l'innovation. Enfin, c'est un petit bouquin vert qui vient de paraître, qui est vraiment très intéressant. Alors, André Tricot, il est psychologue cognitiviste, c'est-à-dire que lui, les résultats de ses recherches, c'est ce qu'il appelle un processus de randomisation. Qu'est-ce que c'est la randomisation ? C'est-à-dire que on a un groupe contrôle, un groupe test, et on met en place des expériences, des expérimentations, et on voit ce que ça produit. Et on change une variable et on remet en place une expérimentation avec un groupe contrôle et un groupe lambda. Et on compare les résultats du groupe qui a fait partie de l'expérimentation avec un autre groupe qui n'a pas fait partie de l'expérimentation. C'est ce qu'on appelle une randomisation. Donc là, il est toujours sur des groupes importants, en fait, d'élèves de tout niveau. Donc quand on enseigne, on se dit toujours, ce que je fais avec les élèves les plus faibles, finalement, ça va aussi aider les plus forts. Oui, pourquoi pas, mais pas toujours. Donc lui, il montre parfois, donc dans la conférence de consensus, vous pourrez bien entendu retrouver, et ça sera dit mieux que moi, son diaporama, le texte et bien sûr son intervention filmée. Il a mis les élèves en grande difficulté, en bleu et les élèves forts en rose, là, rose mauve. Pour bien dire que dans certaines situations, autant l'attention que le professeur porte à l'hétérogénéité de la classe, bien sûr, a des éléments favorables pour les progrès de tous les élèves, autant il y a certains éléments que l'on va nécessairement différencier. Et ça va vous... Enfin, vous allez vous dire, oui, évidemment. C'est-à-dire, si on met des élèves dans un... Enfin, si on leur offre à travailler un problème, une situation problème, ça peut être une situation problème en mathématiques, mais ça peut être une situation problème en lecture, compréhension, une situation problème en écriture, vous voyez, une situation complexe, en fait, situation problème. Eh bien, pour les élèves forts, on peut leur donner la situation problème, puis en leur disant, allez-y. Les élèves faibles, si on leur dit allez-y, ils y vont, mais souvent, ils ne font pas. Vous voyez bien, la page blanche, ils ne savent pas comment y faire. Donc, en fait, qu'est-ce que peut signifier dans ce cas-là la différenciation ? Eh bien, c'est qu'effectivement, les élèves forts, ils font, ils ont leur page blanche, ils vont faire résoudre le problème. En revanche, pour les élèves les plus faibles, eh bien, on va leur donner le problème déjà résolu. Et on va leur demander d'étudier la solution qui est là. C'est-à-dire qu'on ne va pas les laisser face à une page blanche, on ne va pas leur laisser la responsabilité du tout, on va leur demander d'analyser ce qui est déjà là. Et là, il y a une activité cognitive, parce que si on leur laisse la responsabilité du tout, il ne peut pas y avoir de responsabilité cognitive dans la mesure où la situation est trop éloignée de ce qu'ils sont à même de faire tout seuls. Et qu'est-ce que c'est que la zone proximale de développement ? C'est bien ce que l'élève est capable de faire seul et ce que l'élève est capable de faire avec. D'ailleurs, j'aurais dû dire l'inverse. Ce que d'abord l'élève est capable de faire avec quelqu'un va nous donner ce vers quoi on va pouvoir tendre et qu'on lui demandera de faire tout seul.
Et là, ben, c'est un peu ça, c'est-à-dire que on va combler, on ne va pas lui donner la plage blanche, mais d'abord on va lui donner le problème résolu et lui demander d'étudier la solution, d'alterner ben, bien sûr les problèmes résolus avec des problèmes à résoudre, et puis ou de donner le problème avec une solution partielle. Vous voyez qu'on ne va pas lui laisser l'entière responsabilité de la situation. Et donc là, en revanche, il faut le faire pour l'élève fort. Parce que l'élève fort, il a besoin justement d'être face à un obstacle. Si on lui fait la même chose que l'élève faible, vous imaginez que les élèves forts, eh ben là, ils ont... enfin, c'est trop simple, c'est trop proche de ce qu'ils savent déjà presque faire tout seuls. Donc là, on est bien dans ces zones proximales où on va agencer la situation de manière différente. Et en tous les cas, donner à l'élève les problèmes résolus, ça n'est pas lui demander de ne rien faire. Au contraire, c'est à partir de là que l'activité peut se faire. Et vous voyez la petite, comment elle procède dans le film. Elle a bien les productions sous les yeux et elle montre. Et c'est à partir de ce qu'elle montre qu'elle peut produire des justifications de ce qu'elle fait. Or, quand la page est blanche, il n'y a rien à montrer et on ne peut pas justifier. De la même manière, ce qu'a montré, donc là, on est vraiment sur des cohortes importantes hein, d'élèves, et donc André Tricot peut donc donner, dire, voilà, il a des preuves pour dire que ça fonctionne et que ça fait progresser les élèves. Maintenant, autant pour des élèves forts, il faut éviter la redondance, c'est-à-dire on ne va pas leur répéter ce qui peut être fait en une fois. Donc avec les élèves forts, justement, on peut tenir l'exigence en disant « je te donne une fois ce qu'il faut faire et tu le fais » ou « vous le faites, bien sûr ». Maintenant, du côté des élèves faibles, ce qui va être important, ça va être de physiquement intégrer les informations que l'élève devra mettre en relation mentalement pour rendre l'information intelligible. C'est-à-dire, par exemple, on a vu la petite, elle a d'un côté le texte, de l'autre côté les questions vrai-faux. Et elle passe son temps à regarder d'un côté à l'autre. Elle est à côté de l'enseignante et l'enseignante lui désigne les choses, donc elle est quand même étayée. Pour un élève en grande difficulté, le fait d'avoir plusieurs documents, ça va pas quoi, ça les perd. Donc il vaut mieux avoir un seul document où on va mettre les informations nécessaires pour que l'élève puisse rendre l'information intelligible. Ça signifie quoi? Ça signifie que lorsqu'on a un texte avec du lexique qui est compliqué, on a plusieurs solutions. On peut donner une liste, mais si la liste est sur un autre document, ça complexifie le travail de l'élève. On peut mettre la liste sous le texte, ça va déjà être plus simple. Mais l'idéal serait d'avoir en bout de ligne, eh bien, de mettre le mot à expliquer en gras, le mot compliqué en gras, et de mettre en bout de ligne un autre mot synonyme. Et là, vous voyez que c'est quasi intégré dans le document. Et ça va être un élément important. On s'aperçoit que sur les tablettes, par exemple, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir appuyer sur le mot et d'en voir un autre apparaître, mais un seul, hein, pour que les élèves puissent mieux comprendre. Donc, deuxième chose, d'après André Tricot, et ça, je trouve aussi que c'est contre-intuitif parce qu'il y a eu des modes pédagogiques où on disait qu'il fallait on demandait aux élèves d'enlever les informations inutiles. Ça sert à rien. Il ne faut pas, pour les élèves avec des difficultés, qu'il y ait des informations inutiles. Donc ça, on abandonne, en fait, tous les travaux. Enfin, pourtant, il y a des tonnes de fichiers où on dit aux élèves, allez, enlève les élèves. Mais pour enlever les informations inutiles, il faut comprendre ce qui est d'abord utile. C'est un exercice qui est bien trop compliqué par rapport aux difficultés des élèves et qui les perd. Donc non seulement les informations inutiles sont à éliminer, mais les informations décoratives. Alors là, on va aller voir les éditeurs en disant ça va pas. André Tricot vient de faire soutenir l'année dernière une thèse à une étudiante qui a étudié les manuels.
et qui montre que dans certains manuels, il y a 12 types d'informations différents. Du texte, des photos, des tableaux, des dessins, du gros caractère, du petit caractère, de l'italique, etc., etc., etc. Et ça, on sait que pour les élèves les plus en difficulté, c'est impossible. Du coup, le travail de traduction va être important pour éliminer les décorations. Sinon, il y a des gamins qui regardent que les décorations. Et il y en a un truc vraiment... Ce qui est compliqué, c'est malgré tout, est-ce qu'il faut faire des photocopies avec des choses qui ne sont pas toujours d'excellente qualité? Mais vous voyez, il faut éliminer et vraiment ne garder que ce qui est nécessaire. Et puis, ce que dit aussi André Tricot, ça va être important de pouvoir avoir des éléments par l'oreille, auditifs, d'autres visuellement, et surtout de les mettre en relation. Et ça, c'est à l'enseignant de mettre en relation. C'est-à-dire que ça ne se fait pas spontanément. Pour nous, ça semble simple d'avoir un message oral et de le voir écrit. Mais là, vous voyez ce que je suis en train de faire. Et parfois, vous vous dites, mais qu'elle se taise, j'arrive pas à lire. Voilà. Et on est vraiment dans ces situations-là. Donc, véritablement, de prendre le temps et de les mettre en relation, en disant, en allant jusqu'à dire, voilà, c'est ça qui est écrit là. Et pourtant, on dit la consigne, elle est écrite, et on pense que les élèves, spontanément, vont faire le lien. Et donc ça, ces liens-là, ils vont être extrêmement importants. C'est pour ça, sans doute aussi, qu'on parle de plus en plus d'enseigner explicitement. Sur le centre Alain Savary de l'IFE, il y a un document de 4 pages qui est extrêmement intéressant sur enseigner explicitement et qui explique ce que c'est que enseigner, qui explicite ce que c'est que enseigner explicitement en 4 pages. C'est bien. C'est pas trop long, quoi, comme ça. Donc vous voyez que du coup, on est bien dans des actions qui vont être diversifiées entre élèves faibles et élèves forts. De la même manière, avec des élèves forts, on présente le tout d'emblée plutôt que par partie. Et c'est aux élèves de construire les relations entre les parties. Avec les élèves faibles, on va présenter par partie. Et ça, les travaux de Sylvie Seb montrent ça bien. Elle dit, on va lire le premier paragraphe et on va raconter de quoi il s'agit. Puis on va lire le deuxième paragraphe et on va raconter de quoi il s'agit. Puis on va raconter le premier et le deuxième paragraphe pour faire une sorte d'intégration sémantique. Et on passe tranquillement de partie en partie, ce qu'on ne fait pas avec les élèves forts. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'avec les élèves forts, on va rien faire. Hein. On va leur dire, allez, débrouillez-vous, on ne veut pas vous entendre. Ce n'est pas ça. Mais en tous les cas, il faut calculer la nature de l'obstacle. De la même manière, avec les élèves forts, on peut assez rapidement présenter l'information avec, comme toute information, une grande variabilité, pour que les élèves comprennent que c'est valable à certains cas, mais pas toujours, et qu'on va apprendre quelles variables sont pertinentes de celles qui ne le sont pas. Avec les élèves faibles, on ne va pas prendre des exemples, mais avec très grande parcimonie. Bien sûr qu'on va travailler un exemple, parce que pour les élèves faibles, il vaut mieux travailler un exemple que du général. On travaille un exemple, et puis on pousse l'exemple jusqu'au bout, en ne multipliant pas les exemples. Par exemple, Catherine Houdemont, qui est didacticienne en mathématiques à Rouen, a montré que, par exemple, sur les situations problèmes en mathématiques, si on veut en faire des catégories, on va présenter un premier problème qu'on va faire jusqu'au bout, une situation problème en mathématiques, un deuxième problème le même,
juste avec le même, en essayant de faire en sorte que les élèves le fassent beaucoup plus tout seuls. Le troisième, ça va être quasi le même. On va juste changer les variables numériques. Et le quatrième, on va en choisir un autre, mais avec le même squelette. Mais au lieu de parler de pattes, de je sais pas quoi, et d'ailes, on va parler de roues et de rétroviseurs. Mais on va être, vous voyez, d'être vraiment dans la même lignée, dans la même logique, parce qu'à un moment, ça va faire référence et on va dire c'est la même chose que l'histoire des pattes de canard et des pattes de poulet, des pattes de canard ou des pattes de je sais pas qui, de chèvre. Donc, et de créer la référence, mais de varier les exemples avec beaucoup de parcimonie. Avec les élèves forts, on ne les guide pas, on les laisse dans leur jus. Un peu ça. Non, d'essayer de ne pas guider, de leur laisser le temps de l'exploration. Alors qu'avec les élèves faibles, on ne va pas leur laisser le temps de l'exploration, parce que le risque, c'est qu'ils se perdent et que ça prenne trop de temps dans un empan d'attention qui va être court. Mais en même temps, il va falloir étayer, mais au fur et à mesure désétayer, hein, soutenir, mais aussi lâcher le soutien. Et que très souvent, on parle beaucoup d'étayage. Et on parle éminemment moins de désétayage. Et ça, ça me paraît être aussi une diapo extrêmement importante parce qu'elle va à contre-courant de ce que l'on entend beaucoup. Aujourd'hui, il est admis que auto-expliciter ces démarches, ça fait apprendre tout le monde. C'est pas vrai. Pas vrai. Enfin, vous savez bien, les élèves forts, ils vont vous expliquer comment ils ont fait. Et effectivement, ça va les aider. Parce que le fait d'expliciter ou expliciter à autrui ce que l'on fait, ça permet d'asseoir ces manières de faire et donc de se les rendre beaucoup plus transparentes. Donc c'est intéressant dans son apprentissage. Des élèves qui ne savent pas faire, eh ben on peut toujours leur demander de s'auto-expliquer. Mais ils ne savent pas, parce qu'ils ne savent pas faire. Du coup, pour les élèves faibles, ce n'est pas l'auto ou l'explicitation qui va être importante, mais la mémorisation de procédures. Il faut d'abord qu'ils les mémorisent. Ensuite, une fois qu'elles seront mémorisées, on va les mettre au travail. Et au fur et à mesure, on va pouvoir expliquer qu'est-ce qui fait qu'on utilise celle-ci plutôt que celle-là. Donc vous voyez que là, on est quand même sur des activités cognitives qui ne vont pas du tout être de la même nature. C'est-à-dire on va être beaucoup plus du côté de la mémorisation de listes de comment on fait avec les élèves les plus faibles, pour avoir accès à une modélisation. C'est aussi les travaux que mène Seb et Guagou, par exemple. Alors, ça ne marche pas toujours, hein, ça se saurait sinon. Mais en tous les cas, de listes où on va organiser des stratégies et on va essayer de les mémoriser, ces stratégies. Et à partir de là, eh bien, soit on les a sous les yeux, soit on les a dans la tête, on va pouvoir dire, ah ben on en est là. Et là, on commence à expliciter ce que l'on fait. Avec les élèves forts, eux peuvent le faire d'emblée. Mais vous voyez, ce travail de mémorisation, d'organisation, va être extrêmement important. Alors, ce que dit André Tricot aussi, dit collectif ou individuel ? On travaille en groupe ou on travaille tout seul ? On travaille en groupe quand il y a besoin de travailler en groupe, sinon on travaille tout seul, c'est plus économique. Donc, et ça, pour les élèves forts, il dit bien que si l'accès aux connaissances d'autrui est nécessaire, alors le travail en groupe est utile. Mais il faut avoir la nécessité d'aller chercher des informations chez les autres. Sinon, le travail individuel est tout aussi efficace et il peut être mis en œuvre. Donc il n'y a pas de raison de les faire travailler tout le temps ensemble. Il n'y a pas de raison de les avoir tout le temps en îlot. On peut très bien les avoir face au tableau. Ce n'est pas un souci. Ce n'est pas ça, ce n'est pas la forme de l'organisation qui est importante. C'est bien
de quoi est-ce qu'ils ont besoin? Est-ce qu'ils ont besoin des autres ou est-ce qu'ils n'en ont pas besoin? Pour les élèves en grande difficulté, eh bien, on va proposer du travail en groupe quand l'apprentissage visé est éloigné des élèves. Et là, on est plus intelligent, quelque part, à plusieurs que tout seul. Sinon, le travail peut être réalisé tout seul. Donc là, il dit bien, lui, en psychologie cognitive, qu'il n'y a pas de... C'est toujours de voir quels sont les avantages à travailler en groupe, les nécessités, et sinon, on travaille tout seul, c'est plus efficace, c'est tout aussi efficace. La même chose sur... Pour les élèves forts, ben, on ne va pas tout expliquer. On va engager les élèves dans des activités de production d'inférences, d'hypothèses et de conjectures. C'est-à-dire qu'avec les élèves forts, on va vraiment travailler essentiellement l'implicite. Mais en leur faisant expliciter qu'est-ce qui fait qu'ils ont compris, de quelle manière ils ont construit des informations qui ne sont pas écrites dans le texte. Pour les élèves faibles, eh ben, on marque ce qui est important. Au départ, c'est-à-dire on va mettre en gras, on va mettre en couleur ce qui est important et on explicite ensemble les liens entre les parties d'un tout. C'est-à-dire ça ne se construit pas tout seul, quoi. C'est-à-dire il n'y a pas de gestion spontanée de l'apprentissage et qu'il va falloir guider les élèves. Et ça, par exemple, c'est valable dans toutes les situations. Guy Brousseau, qui est didacticien en maths, il avait mis en place des situations d'apprentissage et il pensait que les élèves seraient capables justement de comprendre tout seuls que ce n'était pas bon. Un exemple, le tangramme, activité d'introduction à la... Bon, je commence à avoir du mal. À la proportionnalité, pardon, en début de CM1. J'ai un tangramme, vous voyez les figures qui s'agencent là. J'ai un tangramme de 7 cm de côté. Vous allez me faire un tangramme de 9 cm de côté. Et comme on est dans une introduction à la proportionnalité, Guy Brousseau se disait, bah, de toute façon, ils vont faire 7 plus 2. Et puis, donc, ils vont mesurer, ils vont rajouter 2, ils vont découper, et ils vont s'apercevoir en agençant les morceaux que ça va pas. Et donc, ils vont dire, eh ben, c'est pas 7 plus 2. Eh bien non, en fait les élèves ils disent « Oh non mais c'est parce qu'on n'a pas bien mesuré, pas tout à fait, puis on n'a pas tout à fait bien découpé. » Et en fait ils se satisfont de 7 plus 2, même s'ils voient que les pièces ne s'agencent pas. C'est au professeur de dire « Non, non, c'est pas un problème de découpe, c'est pas un problème de mesure, c'est pas 7 plus 2. » Donc chouette, il y aura toujours besoin de professeurs. Au moins, c'est... Et en fait, et c'est ce que Brousseau a donné comme conclusion, quoi. C'est-à-dire qu'il est nécessaire qu'il y ait un adulte qui soit là et qui dise « Non, ça n'est pas ça, c'est pas la bonne procédure. » Sinon, les élèves, ils s'arrangent, ils s'accommodent, ils font des petits arrangements entre amis, là, et ça passe inaperçu. Ils ont fait leur boulot, donc on ne va pas les embêter. Donc, c'est bien à l'enseignant de dire... que ça ne convient pas. Et du coup, avec les élèves les plus faibles, il va falloir quand même mettre en exergue ce qui va être important. Et avec les autres, on les laisse faire. Mais bien entendu, en ayant une phase où on va pouvoir institutionnaliser des connaissances. Et ça, le travail de Denis Butlen, par exemple, en didactique des maths, montre que on définit bien les situations, on fait travailler les élèves et qu'ils manquent très régulièrement, souvent par faute de temps, mais aussi parce qu'on veut les conduire un peu trop vite, mais ils manquent la phase de synthèse où on montre ce que l'on a appris. Et que ce que l'on a appris, c'est bien quelque chose de collectif. Et que si au début, je peux faire... Alors, 5 plus 3, donc 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ouais, ça marche. Tant que c'est 5 plus 3, ou 6 plus 2, ou 7... Mais bon, quand j'ai 25 plus 18, ça ne marche plus.
Donc il faut leur dire, ah bah oui, effectivement, ça marche, mais là, non, ça ne marche plus. Et ça, avec les élèves les plus en difficulté, avec handicap ou pas, cette déstabilisation, elle est extrêmement délicate. Alors au départ, on dit, bah, je mets 5 dans ma tête, 5, 6, 7, 8. Oui, ça aussi, ça marche. C'est mieux, c'est plus rapide. Mais si c'est 25 plus 18, ça ne marche pas. Donc à un moment donné, ben, on leur dit, eh bien, on va devoir admettre que 5 plus 3, ça fait 8. Ça ne fait pas à peu près 8. Ça ne fait pas 7, ça ne fait pas 9, ça ne fait pas 12, ça fait 8. Point, ça fait 8. Et donc, eh bien, les amener sur des résultats mémorisés. Et c'est ça qu'on attend. Alors, si tu commences à me faire ça, on lui dit non, c'est pas possible. Et c'est ça le principe de l'institutionnalisation, c'est bien de montrer quel est le savoir pertinent. Facile à dire. Parce qu'il y en a qui auront toujours leurs doigts. Alors, il faudrait les couper, les scotcher. Mais. Et c'est ça la grande difficulté avec les élèves les plus en difficulté, c'est qu'ils acceptent de se laisser déstabiliser par des manières de faire qui ont marché, qui ont fonctionné, mais qui à un moment ne fonctionneront plus. Et là, eh bien, faut trouver, et je vous ai dit, le maître c'est le chronomètre, mais le maître c'est aussi la personne qui est rusée, et par la ruse, d'essayer de faire en sorte que ben, on fasse accepter à certains élèves d'être déstabilisés dans leur manière de faire et de leur montrer que ce qu'ils faisaient auparavant n'est plus judicieux à un moment. Donc voilà à peu près les travaux aussi d'André Tricot que vous trouverez aussi sur la conférence du consensus. Et il y en a d'autres. Donc vous verrez sur le site de la conférence de consensus, vous aurez en fait les intitulés aussi de toutes les interventions. Et vous avez sur l'enseignement explicite, vous aurez aussi les travaux d'un éminent Canadien, que je ne retrouve plus le nom. Là, je sature. Mais je retrouverai. C'est pas Steve Bissonnette. Hein. Non. Oh mince. Non. Alors, tous les Canadiens qui traînent là. Oh, bon, bref, ça me viendra un jour, mais ça ne me vient pas là maintenant. Bref, je pense que vous avez là, en tant qu'enseignant spécialisé, à double titre. Face aux élèves, des éléments qui peuvent donner des indications, j'ai essayé de vous en ressortir certains, et face aussi à la personne ressource, c'est-à-dire celle qui va aussi pouvoir étayer l'activité de ses collègues à partir d'un certain nombre de résultats. Alors, si on reprend les assertions de ce début d'après-midi, alors, je vais les relire et vous voyez, vous reprenez vos notes de tout à l'heure. Est-ce que vous êtes toujours d'accord avec vous-même? Ou est-ce qu'on a remis un peu d'hétérogénéité dans le même individu et un peu de conflit intra-individuel? Alors, ne pas différencier sa pédagogie creuse les écarts entre les élèves. C'est plutôt vrai ou c'est plutôt pas vrai? Plutôt vrai, c'est vrai. En tout cas, moins on différencie, plus on creuse les écarts, c'est ce qui a été prouvé par la recherche. Différencier, c'est plutôt composer des groupes restreints homogènes. C'est ça, mais c'est pas que ça. L'homogénéité, contrairement à ce que l'on pense, eh bien, n'est pas facteur d'une meilleure réussite. Moi, j'ai travaillé sur les aides personnalisées avec ma collègue Corinne Marlot de la HEP de Lausanne. Nous n'avons pas montré que le fait de travailler avec des élèves en difficulté et en groupe homogène permettait aux élèves de progresser.
Alors, c'est des aides personnalisées qui sont faites avec les enseignants ordinaires. Je ne remets pas la même chose pour des enseignants spécialisés, par exemple la dominante pédagogique. D'accord? Mais là, on voit bien que justement, les arrière-fonds ne sont pas les mêmes entre l'enseignant de la classe ordinaire et l'enseignant spécialisé, par exemple la dominante pédagogique. Maintenant, vous voyez bien aussi la difficulté chez les maîtres E de faire travailler ensemble des élèves qui ne savent pas faire quoi. Mais encore, on a une hétérogénéité dans l'homogénéité des élèves en difficulté, mais parfois on s'arrache un peu les cheveux en se disant « mais bon, alors bah, je vais montrer quoi, parce qu'à un moment donné, il va bien falloir qu'il y ait quelque chose qui se fasse ». Donc, composer des groupes restreints homogènes, oui, de manière non pérenne, c'est-à-dire de temps en temps, pour un besoin, pour quelque chose que l'on veut faire apprendre spécifiquement. Différencier augmente la motivation des élèves. Celle-là, je conçois que je l'ai écrite de manière un peu perverse. C'est pas ça qui crée la motivation. Ça peut pas. Moi, j'ai une phrase que j'aime beaucoup de Éric Préra, qui est philosophe à Nancy, et qui dit, alors on n'est pas sur la motivation, mais sur l'estime de soi. Parce que ça aussi, on entend des choses. Et il dit une phrase très courte, « Je m'estime si je peux ». Donc, et ça, bah, voilà, c'est court, mais ça ouvre des perspectives énormes. Mais bien sûr que différencier va pouvoir augmenter la motivation des élèves si différencier, c'est rendre plus accessible le savoir. Si mon savoir est plus, si je sais que je peux y arriver. Parce que le professeur a travaillé la situation pour me la rendre accessible. Eh bien, je pense que oui, ça va me motiver. Si je vous donne un texte en chinois là, que vous n'avez jamais fait de chinois comme moi, je pense que très rapidement, on le voit et puis c'est bon quoi. Donc on grimpe au rideau ou on dort, mais on. Donc ça, c'est sûr que c'est un élément démotivant totalement, parce que l'axe, c'est trop loin de ce que l'on peut faire. Donc ça peut, mais en même temps, quand on reprend les travaux de Benoît Galland, on voit bien que la motivation initiale de l'élève n'est pas un gage de progrès dans les apprentissages. Donc voilà, donc c'est réponse de Normand. À certaines conditions, oui. À certaines conditions, non. Différencier demande de prendre en compte les styles d'apprentissage des élèves. Oui. Benoît Galland dit 70 profils différents d'apprentissage. Donc, ce n'est pas un élément qui fait progresser les élèves, même si, bien entendu, le professeur est attentif à écrire, à dire, à lire, à faire lire, etc., à varier, en fait, la modalité, à faire écrire la modalité d'apprentissage. Différencier nécessite une individualisation du travail. Alors déjà, celle-là, c'était compliqué tout à l'heure. Est-ce que ça nécessite d'individualiser ? Pas systématiquement, non. La différencier, ça n'est pas individualiser, ça ne signifie pas individualiser. Et je pense qu'on aurait dit ça tout de suite aux enseignants, c'était plus cool. Quand j'ai fait une formation d'enseignante spécialisée, pour ma part, en 1994, ou un truc comme ça, et je me suis retrouvée très rapidement en CLIS. De première classe, quoi. Bon, moi, j'avais compris en formation, j'ai fait ma formation à Nantes, que ben, les enfants de la CLIS étaient hétérogènes du point de vue de l'âge, du point de vue des compétences. Je m'en suis rendu compte très vite, 12 élèves, je me suis dit, ben, je vais individualiser leur parcours.
Donc le matin, ils avaient un plan de travail, et puis ça me prenait le chou, ça me prenait du temps, et ça allait à peu près bien jusqu'à la récréation. Et après la récréation, il fallait que je cours derrière eux pour aller les chercher dans la cour. Bref, ils revenaient en hurlant, certains devenaient des plantes vertes au contraire. Cédric Bouguéon, il fallait que j'aille courir de l'autre côté du pont pour aller le chercher. Enfin bon, bref, c'était n'importe quoi. Oh, puis je ne comprenais pas, parce que quand même, ça me prenait du temps. J'essayais d'ajuster quand même au mieux, juste quand même quelque chose qu'ils savaient à peu près faire, mais pas tout à fait. Mais bon, voilà, alors je ne comprenais pas. Donc j'ai vraiment failli mettre la clé sous le paillasson en me disant, bon, j'avais enseigné pendant plus de 10 ans, donc je m'étais dit qu'a priori je savais faire, mais ça, non, je ne savais pas faire. Et la conseillère pédagogique m'a dit, mais pourquoi tu ne fais pas des groupes, quoi? Pourquoi tu ne fais pas du collectif? Je dis, non, enfin, il faut quand même les mener dans leurs apprentissages. Elle m'a dit, écoute, tu fais ce que tu veux, mais là, c'est un peu compliqué quand même, quoi, parce qu'il y a des problèmes de comportement énormes. Donc finalement, j'ai accepté d'arrêter avec mes plans. Après, j'ai vécu, j'ai pu vivre. Ouais. Parce que je ne dis pas que je ne faisais plus de plans individuels, mais c'était un quart d'heure par jour, les débuts d'après-midi. Et le restant du temps, c'était vraiment des groupes qui pouvaient être des groupes pérennes, parce que les niveaux étaient vraiment très différents entre des lecteurs débutants et des lecteurs un peu plus experts, mais vraiment sur des situations qui étaient des situations suffisamment pérennes, des situations qui pouvaient, en fait, des situations qui pouvaient être appréhendées par tous les élèves. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on n'avait plus qu'une seule histoire qu'on travaillait. Certains avaient un texte dense, d'autres travaillaient sur les mots, mais les individus contribuaient à un moment donné au collectif. On commençait collectivement, ensuite il y avait des groupes qui se mettaient en place et on terminait collectivement. J'ai survécu après. Et la classe s'est beaucoup apaisée. Vous voyez, on m'aurait dit très nettement que différencier, c'était pas du tout individualisé. Pendant un trimestre, j'aurais pas pleuré tous les soirs en me disant « Ah, je peux pas faire !» Pas tout à fait un trimestre, mais j'ai mis du temps avant de comprendre. Donc ça me semble important de dire que, bien entendu, ça peut être une individualisation, mais ça n'est pas une individualisation du travail. Donc ce qui fonctionne avec les élèves les plus en difficulté fonctionne avec les élèves les plus avancés. Un peu, parfois, mais Tricot, il ne dit pas ça. Sur d'autres choses. Donc, vous voyez que, pour ça, on peut toujours avoir des réponses de Normand. Hein. Mais systématiquement, non. La nature et la qualité des situations d'apprentissage importent plus que les caractéristiques générales des élèves. Oui. Ouais. Et ça, c'est difficile aussi de prendre ça en considération, sachant qu'on a tendance à partir de catégories. Et même dans le CAPEI, c'est ce qu'on disait ce matin, c'est le CAPEI, il rentre par des catégories, par des pathologies. Et effectivement, il faut savoir un certain nombre de choses sur la pathologie, mais en même temps, quand on vous dit « cet élève-là a des troubles autistiques », vous dites « ah bah oui, c'est évident ». « Cet élève-là a aussi des troubles autistiques ». Ah bon ? C'est-à-dire qu'il y a autant de troubles autistiques que de personnes. En tout cas, autant d'effets, autant de répercussions, autant de... Donc, le fait de... Si on part par... Avec un élève autiste, on fait comme ça. On peut faire comme ça, certainement, mais on peut faire aussi autrement. Donc, bien entendu, il faut un certain nombre de connaissances, et ça, c'est important que les enseignants spécialisés aient ces connaissances pour pouvoir les diffuser aussi auprès de collègues. Mais si on pense que c'est la pathologie qui va nous permettre de donner des moyens d'expression à la pédagogie, là, il y a véritablement des risques. Alors, différencier, c'est donner des activités plus simples aux élèves les plus fragiles. Ça, en tout cas, ça a été pilonné pendant 2 jours, c'est non. Ça ne veut pas dire qu'on va leur donner que des activités complexes, bien entendu. Mais si on ne donne que des activités simples, on va accroître les écarts entre les élèves. Laisser aux élèves le choix du niveau de difficulté des tâches qu'ils veulent travailler est une solution pour différencier. Non plus.
Non plus. On peut leur donner le choix d'activités, mais des activités qui vont être toutes, enfin, qui vont toutes rencontrer des obstacles. Mais on ne va pas réfléchir au niveau de difficulté. Si on ne donne que du simple, enfin, voilà, certains ne vont prendre que cela et n'accéderont pas aux apprentissages. Et différencier nécessite de connaître les informations fines sur les obstacles que peuvent rencontrer les élèves. Oui, massivement. Massivement, et c'est sans doute ça qui est, pour ça que je l'ai mise aussi en 10, parce que c'est la dernière qu'on dit, mais sur les repérages des difficultés que peuvent rencontrer les élèves dans cette situation-là et comment je peux avoir un éventail de propositions. Et ça, je vous ai parlé ce matin d'un courant de recherche qui s'appelle les Lesson Studies, qui sont beaucoup mises en place au Japon, par exemple, où les enseignants, ils ont du temps. Et là, je reprends, ça c'est important d'avoir le temps. Ils ont le temps pourquoi? Ils ont le temps de réfléchir à des situations. Par exemple, 3 maîtres se partagent équitablement un paquet de 25 stylos, là. Bon, on pourrait prendre ça comme situation. On l'étudie ensemble. Qu'est-ce que ça peut augurer comme difficulté pour les élèves? Ensuite, on va voir un des professeurs le mettre en place avec des élèves. Puis, on analyse qu'est-ce que ça a provoqué. Puis, on réessaye en ayant d'autres niveaux d'interprétation. Eh bien, ce travail-là, il est fort efficace. Et effectivement, c'est une transformation aussi des manières de concevoir la formation. Ce n'est pas une formation comme aujourd'hui où ça tombe un peu du ciel, mais c'est une formation en situation. On est là autour de la table en se disant, bon. Et vous voyez que ça demande aussi de la part des enseignants un travail sur la longueur. Et ça, bon, vous le savez très bien, c'est-à-dire que si vous partez des besoins particuliers de l'élève et vous vous dites, celui-ci, il a besoin de ça, celui-là, il a besoin de ça, celui-là, il aurait plus besoin de ça. Mais vous n'avez pas le temps de mettre en place des situations aussi diversifiées que le nombre d'élèves. Donc, vous n'avez pas le temps de les étudier ou de vous dire, ben, par rapport à ce groupe-là, ben, je vais travailler ça, donc je vais prendre tel album, par exemple, etc. Et puis, vous voyez le temps que ça prend. Il faut faire les photocopies, des photocopies couleurs, on fait des cartes, on fait des étiquettes, on agrandit, on met le livre en accordéon. Enfin bon, bref, ça prend un temps fou. Si vous ne l'utilisez qu'une fois, quelle perte de temps, quoi. Donc, ne rentrez pas par les besoins des élèves. De toute façon, tout le monde a les mêmes besoins. J'exagère, mais pas très loin. Ça, combien il y en a? 5. Alors on va voir. 12, disent certains. Ben oui, mais quels sont les obstacles potentiels que va rencontrer l'élève? C'est-à-dire, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 12. Donc, nécessité de connaître, et encore là, je suis plutôt bien, j'aurais dû dire 1, 2, 3, 9, 8, 12, 4, 3, 7. Donc déjà, il faut connaître la comptine numérique, qu'elle soit stable. Ensuite, quand je dénombre une collection, un mot nombre pour un seul objet. 1, 2, 3, 4, 5. Mais ça peut être 1, 2, 3, 4, 5. L'objet, une seule fois. Je n'ai pas le droit de faire 1, 2, 3, 4. Une seule fois. Le dernier mot nombre, c'est le cardinal. 5, c'est le cardinal. Ben voilà. Je veux dire, pour certains, ça va prendre 3 heures. J'exagère, mais bon, voilà. Puis à la maison, on va leur demander d'aller, non pas de donner uniquement la comptine qui est fort représentative des apprentissages pour certaines catégories de familles, mais de dire, va donc me chercher 4 crayons, ou va donc me chercher autant d'assiettes que de convives. Ça, c'est les parents enseignants. Donc ça, ils ont réussi très vite à... Donc, leurs enfants, quand ils arrivent à l'école, ça, c'est vite vu, quoi. C'est fait. Pas pour les autres, ou pas pour d'autres en tous les cas. Mais grosso modo, ça va prendre pas longtemps pour certains, ça peut prendre 5 ans pour d'autres. Mais c'est les mêmes obstacles. C'est-à-dire qu'il faut que, voilà, la comptine, une seule fois, et le dernier mot nombre, c'est le cardinal.
Voilà, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de rentrer par les obstacles de chacun, puisque chacun va rencontrer les mêmes obstacles. Donc autant trouver des situations intéressantes pour que, effectivement, eh bien, j'ai des situations sur lesquelles je vais pouvoir revenir et re-revenir parce que je les connais bien et que l'année dernière ça s'est passé comme ça et que je l'ai réadapté. C'est-à-dire j'ai été plus attentive ou plus attentif au fait de mettre des aménagements, quoi. C'est-à-dire, on a une bande de nombres, mais cette bande de nombres, je l'ai faite comme ça, parce que l'année précédente, j'avais mis aussi les dés au-dessus, mais c'était trop, donc je les enlève, etc. Soyez très connaisseurs de vos situations, parce qu'elles vont être extrêmement importantes. Parce que si vous changez de situation tous les ans, vous n'avez pas le temps de les étudier. Donc ça, ce sont des éléments, et souvent, on se dit, « Oh, mais je ne vais pas refaire la même chose que l'année dernière. » Mais vous ne le refaites jamais. Vous avez les supports, mais vous êtes du coup plus attentif aussi et plus réceptif aux manières de faire des élèves. Donc, en fait, différencier, c'est véritablement connaître des informations fines sur les obstacles de la situation et qu'est-ce que je peux sortir de mon cartable, de mon sac, de mes pochettes pour pouvoir faire en sorte que cette situation devienne accessible aux élèves. Et ça, c'est un lent travail, mais c'est un lent travail sur les mêmes situations. Donc, trouver des situations qui vous semblent pertinentes, qui vous semblent denses en savoir, et prenez le temps de les mettre au travail avec les élèves, tout en les réaménageant pour pouvoir sortir de votre cartable des aides plus judicieuses. Et là, le travail devient un travail qui prend en considération des éléments très très fins et qui devraient permettre d'avoir plus d'impact sur les élèves. La chouette, c'est la conclusion, donc c'est la dernière. Et là, en fait, moi, ça me semble très important de dire aux enseignants, il faut des routines, il faut des habitudes d'action. Et elles sont à stabiliser. Et donc, c'est là où vous avez besoin, effectivement, des empans didactiques, des connaissances didactiques, de mettre ces connaissances didactiques en lien avec des situations et puis de les mettre au travail avec les élèves. Et c'est ça qui installe des conditions d'enrichissement, en fait, de vos pratiques. Pas la peine de les changer tout le temps. Déjà, il y a suffisamment de changements dans l'éducation nationale, hein, donc, pour ne pas avoir à tout modifier tout le temps. Et ça, c'est vraiment très dommage. Donc, où on va pouvoir gérer des phases d'explicitation, mais pas que d'explicitation, avec les élèves les plus faibles, ça va être des phases de mémorisation aussi. Il va falloir gérer des phases de synthèse, d'institutionnalisation, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on a appris, et de gérer aussi les comportements des élèves dans l'instant, les feedbacks, les informations qu'on leur donne dans l'instant. Mais ça ne peut pas se faire que tout seul. Il y a bien un travail qui est à opérer au sein de l'établissement, en équipe. C'est-à-dire que je veux bien prendre des élèves sur de la numération, mais c'est important qu'on partage avec l'enseignant des références communes. Quand je suis, par exemple, maître de réseau d'aide ou quand je suis enseignant en ULIS. Et parfois, ça demande aussi des mises en barrette des emplois du temps. À ce moment-là, tout le monde, et on peut mettre des groupes, des ateliers, etc. en place. Ça dépend de ce dont on a besoin. Et puis, il y a des formations qui sont à instaurer, des formations à l'extérieur de l'établissement, certes, parce qu'on n'y est pas toujours, mais aussi des formations à instaurer au sein de l'établissement, dans l'équipe. Comment tu fais pour faire apprendre ça ? Et là, à partir du comment tu fais pour faire apprendre ça, là, on peut mettre en commun des manières de faire. C'est vrai qu'il y a des choses qui, heureusement, d'ailleurs, nous échappent, mais que l'on comprend, que l'on conçoit avec un collègue, qu'il soit de classe ordinaire ou qu'il soit un collègue spécialisé. Donc, il y a bien des pratiques chez les professeurs, des pratiques au sein de l'établissement et, bien entendu, des formations au sein de l'établissement. Enfin, là, je ne me mouille pas trop parce que il y a quand même une certaine évidence. En tout cas, je vous remercie de votre attention, de ne pas être a priori mort
au fil de la journée. Parce que 6 heures, quand même, c'est lourd. Merci. Et il y a un temps de questions, bien entendu, encore. Et n'hésitez pas, de questions ou de remarques. Moi, je suis disposée à tout type de remarques, c'est important. Ah, il n'y a plus de micro. Il n'y a plus de micro, donc il faut parler fort. Et c'est les micros qui sont morts dans la journée. Je sais bien aussi que les questions au bout de la journée, ce n'est pas le moment le plus facile. Hein. Ah si, il y a une question que je ne vous ai pas posée. Je vous ai vu. Hein. Qui a modulé des éléments sur les 10 assertions ? Bah, pas beaucoup. Qui n'a pas changé du tout par rapport à ce qu'il avait dit au départ ? Oh, puis il y en a plein qui disent rien. Il y en a plein qui ne se mouillent pas quand même là. Alors, il y a une question là-bas à ma droite. Donc, s'il vous plaît, il n'y a pas de micro. Donc, si vous pouviez... Je sais que ça va dépendre. Vous voyez, c'est pour ça que je remets les catégories, les familles de l'aide. Donc on m'a dit qu'il y avait quelque chose qui était vraiment très intéressant sur ces familles de l'aide sur le site de l'école inclusive de Véronique Poutou, donc vous avez regardé, mais ça va dépendre, mais oui, avec certains élèves il va falloir obligatoirement des temps pour s'exercer et réviser, donc là on peut concevoir qu'il va falloir des groupes homogènes, mais il faut bien spécifier, c'est-à-dire ça va être des moments courts qui ne vont pas excéder 20 minutes, et où on va faire des reprises. Pourquoi 20 minutes ? Parce que c'est à peu près le temps de... Enfin, à l'école primaire, en tous les cas, à l'école élémentaire, c'est à peu près le temps d'attention des élèves. Donc, ça signifie que tous les jours, oui, on pourrait avoir un groupe d'élèves sur un logiciel, sur une technique, et tous les jours, de travailler ça spécifiquement avec eux, mais ces élèves-là qui ont ce besoin-là. Mais vous voyez que c'est, faut que ce soit clair et net, que ce soit bien explicité aux élèves sur ce que l'on veut apprendre et pourquoi on leur fait faire ça. Et là, ils sont en groupe homogène. Mais ça ne va pas excéder la demi-heure, en fait. Si on est sur une situation problème et une situation complexe, il vaut mieux être sur des groupes hétérogènes. Et faire expliciter certains. Qu'est-ce que c'est qu'un humain, en fait ? Un humain, c'est un imitateur. Parce que si on vivait sans êtres humains, sans humains autour de nous, eh bien, on aurait un comportement qui ne serait pas humain. C'est-à-dire, on tient sur deux jambes parce qu'on nous a appris à tenir sur deux jambes. D'accord ? On a le langage parce qu'on a entendu des gens parler autour de nous. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que l'imitation, elle n'est pas à être dévalorisée. Et donc, on a besoin d'entendre certains dire comment ils font. Mais même en tant qu'adulte, c'est important aussi qu'à certains moments, vous disiez comment vous disiez aux élèves comment vous faites. Parce que sinon, c'est les petites filles de CE2 là, qui disent, ben non, personne ne réfléchit, remarquez, c'est simple, dans la vie, il n'y a personne qui réfléchit. Il y en a qui ont, et puis les autres, ils n'ont pas. Bon, elles, non, elles n'ont pas, mais vous voyez bien que si on ne met pas un haut-parleur sur la pensée, c'est ce que dit dans Soutenir, il n'y a pas de raison que ça s'invente tout seul. Parce que rien ne s'invente tout seul. Les élèves forts à l'école, généralement, ils sont dans des familles où on dit beaucoup de choses. Et là, les travaux qui ont été faits en psychologie, par exemple, du développement, montrent que sur des enfants de 18 mois, ils ont comparé comment font les mamans pour
les aider à faire des puzzles, enfin des démarrages, des puzzles, les encastrements, là, des tout petits de 18 mois, certaines mamans étant allées longtemps à l'école et d'autres pas. Les mamans qui sont longtemps allées à l'école vont gérer l'incertitude de leur enfant. C'est-à-dire, vont lui dire, mais regarde bien, tu vois, là, il y a du vert, il y a de la même couleur, il n'y en aurait pas un qui pourrait aller parce qu'il y a du vert et un peu de rouge. Alors que la maman qui... Donc ça, c'est les mamans qui ont été scolarisées. Les mamans qui ont été très peu scolarisées disent à l'enfant, ben, regarde, tiens, voilà, ça se met là. Et hop, elle retire. Donc, elles sont beaucoup dans le stimuli-réponse. Donc, du coup, les procédures ne sont pas les mêmes. Du coup, quand les enfants arrivent à 3 ans à l'école, ils n'ont pas du tout la même perception. Et l'attitude des premières est beaucoup plus proche de l'école que l'attitude des secondes. Donc, du coup, voilà. Du coup, c'est important aussi de les mettre en groupe hétérogène, même si on a l'impression que certains, ils ne font qu'écouter ou ils font comme les autres. Mais c'est un premier pas vers l'accomplissement des éléments, enfin, de l'apprentissage. À ne pas négliger. Mais alors après, ça va dépendre. C'est-à-dire, il y a certains groupes homogènes qui vont être homogènes par rapport à un besoin, enfin par rapport à une compétence. Et puis il y avait des groupes homogènes qui vont être des groupes homogènes faibles. On met les mauvais ensemble, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est l'exemple que je prends toujours. Les classes préparatoires. Nous sommes en décembre. Dans nos classes préparatoires, en France, nous n'avons que les très bons élèves, les excellents, ils ont tous eu une mention très bien au bac, quasi. De toute façon, ils ont fait une terminale qui était excellente, et donc ils arrivent dans les classes de notre élite. Là, on est en décembre. Et ben, dans ces classes d'excellents, ils ont été excellents jusqu'à leurs 18 ans, et pas de chance, il leur est arrivé d'arriver en classe prépa. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, eh bien, il y a d'excellents, il y a des bons, il y a des moyens, il y a des très moyens, il y a des faibles et il y a des nuls. Et on leur dit, certains leur disent, mais qu'est-ce que tu fais là, quoi ? Enfin, t'es vraiment pas bon. Sauf qu'ils ont été, pendant 18 ans, ils ont été très bons. Donc, c'est-à-dire qu'avec l'homogénéité très fort, on arrive à faire de l'hétérogénéité et ça se réorganise des pas bons jusqu'aux très bons. Et donc là, vous voyez, c'est des phénomènes d'étiquette, en fait. Intrinsèquement, ils sont bons. Sauf que dans le milieu spécifique, là où ils sont, et ça redistribue à nouveau. Donc c'est ça la difficulté, c'est-à-dire on est toujours un homogène hétérogène, finalement. Ça va dépendre de l'endroit où on se situe. Donc du coup, si effectivement c'est faire des classes de forts, des classes de moyens, des classes de faibles, ça n'aide strictement personne. Parce que finalement, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de très bons en tout, enfin si, quelques-uns, mais il n'y a pas de moyens en tout, si, quelques-uns, il n'y a pas de très faibles en tout, si, quelques-uns. Mais en même temps, vous voyez bien que si on est vraiment sur les résultats scolaires et on les met ensemble, ça ne produit rien. En tout cas, les résultats de la recherche là-dessus sont très explicites, c'est-à-dire qu'il faut conserver une hétérogénéité de départ. C'est toujours, enfin, l'école inclusive, vous voyez que ça réinterroge l'école et tout le monde dit, ben oui, mais enfin bon, maintenant on nous parle de personnes ressources, alors on va être ressources à quoi ? On ne sera plus devant les élèves, il n'y aura plus de SECPA, il n'y aura plus de réseau d'aide, il n'y aura plus d'établissements spécialisés, voilà, c'est des hauts et des bas. Alors moi, je ne sais pas, je ne suis pas dans les secrets des dieux, hein, mais loin de là, mais maintenant, mais on voit cette évolution, c'est-à-dire que finalement, des établissements périphériques aux écoles qui étaient fermés, des ITEP, des IME, IMPRO, etc., on voit qu'il y a un mouvement quand même sur des temps partagés. Et c'est ça le parcours. C'est-à-dire qu'à certains moments, l'élève va pouvoir et va tirer bénéfice d'un parcours inclusif dans un milieu ordinaire, mais il va tirer tout autant bénéfice d'un parcours qui va combiner de l'ordinaire et du spécialisé. Et faut croiser les doigts, mais faut espérer qu'on reste dans cette perspective-là. C'est-à-dire que, et ça, par exemple, on le voit en Italie. C'est-à-dire qu'en 1975, l'Italie a arrêté, mais quasi du jour au lendemain,
tout établissement spécialisé. C'est-à-dire que sont arrivés à l'école l'ensemble des enfants et des jeunes dans toute leur diversité. Aujourd'hui, il y a un mouvement de recul, enfin, depuis déjà 10 à 15 ans, en disant que on ne peut pas prôner un milieu identique à tous, parce que parfois, ça n'est pas, la compatibilité ne peut pas y être. Donc, du coup, ils ont rouvert un certain nombre d'établissements spécialisés. Moins nombreux qu'au départ, mais c'est ce qui se passe aussi en France, mais qui sont toujours présents. Et avec, en France en tous les cas, les CESAD, donc les services de soins à domicile, et dont le domicile, c'est aussi l'école, et qui viennent au plus près, des jeunes. Mais vous voyez bien, moi, je n'ai pas abordé du tout, ça pose beaucoup de questions. Ça pose les questions de, ben, quand je suis en classe, si je scolarise 5, 6, 7 élèves en situation de handicap, je peux avoir un AVSCO, 4 AVSI, un éducateur spécialisé, c'est un infirmier, enfin bon... Bref, on peut se retrouver parfois, donc là, il va falloir aussi réguler, à savoir de quelle manière on ne va pas se retrouver à 4, 5, 6 adultes avec un groupe, avec un groupe de 25 élèves. Enfin, en tous les cas, je ne pense pas que les établissements spécialisés soient en danger. Et ça serait ridicule. Enfin, il me semble, enfin, moi, ça c'est moi qui dis, hein. Donc n'allez pas dire, oh, ben, voilà. Et je n'ai aucune acquaintance avec le ministère, donc je ne sais pas du tout, mais je ne pense pas que ce soit envisageable. Mais en même temps, c'est vrai qu'on voit bien que les politiques quand même ont un impact, c'est-à-dire les réseaux d'aide... Il y a eu, je ne sais pas comment c'est dans l'enseignement catholique sous contrat, mais dans l'enseignement public, il y a vraiment eu des grandes des fermetures de postes, des postes qui n'ont pas été attribués. Bon, là, on sent un redémarrage à nouveau. Vous voyez, c'est toujours un peu le yo-yo. Donc, les SECPA aujourd'hui se posent un certain nombre de questions postérieures à la dernière circulaire, justement, sur inclusion de tous et faire que tous soient des collégiens. Mais ça, c'était ce que disait quelqu'un tout à l'heure. C'est, d'abord, l'idée, c'est qu'est-ce que c'est qu'être collégien ? Et alors, ils disent là, vous voyez, avec la diapo que je vous ai montrée, l'intervention en classe, l'avant de la SECPA, l'après aussi, ils se disent, mais jusqu'où la SECPA va exister, du point de vue des enseignements généraux, en tous les cas. Enfin, oui, de toute façon, ce sont des postures, enfin, cette école inclusive implique des postures qui interrogent les établissements tels qu'on les a connus, tels qu'ils sont perçus. Mais je ne peux pas vous en dire plus. J'ai pas... Mais je pense que... Enfin bon, ça serait vraiment curieux, parce que je pense que ce seraient des modèles qui pourraient devenir très implosifs à l'école. Donc... que l'inclusion ne serait pas l'interdiction de toute différence, quoi. Enfin, ou l'effacement de toute différence. Alors, avec une, enfin, oui, vous êtes personne ressource. Oui, une formation de 300 heures vous amène à une certaine expertise et qui quelquefois est une autre expertise que le conseiller pédagogique, puisque vous êtes spécialisé sur la difficulté scolaire ou sur certaines situations de handicap. Oui, vous avez aujourd'hui, on attend dans cette école inclusive et dans la dynamique de l'école inclusive de mettre à contribution les diverses spécificités des enseignants. Et que je vous ai présenté effectivement longuement cet après-midi en tous les cas, eh bien, la différenciation pédagogique comme une entrée potentielle pour ne plus être dans de la stigmatisation, mais bien dans une ouverture pour tous, mais bien entendu, les ajustements pour certains élèves seront des ajustements très
particuliers parce qu'ils ont une particularité. Mais vous voyez que là, on est dans un mouvement finalement inclusif. On se dit que pour rendre accessible une situation, eh bien, il va être nécessaire d'aménager les situations selon les besoins des élèves. Donc oui, mais c'est là où il va être important d'être sur des lettres de mission, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la mission d'un enseignant spécialisé, qu'est-ce que c'est la mission d'un conseiller pédagogique. Mais vous savez aussi bien que moi aussi que les conseillers pédagogiques vont passer beaucoup de temps avec les novices, vont passer beaucoup de temps avec les enseignants qui démarrent. Vous avez, et donc sur l'ensemble des élèves, et vous avez une expertise, vraiment, un savoir complémentaire sur difficultés, handicap, et ça c'est important de pouvoir l'exprimer. Et je crois que les collègues, ils l'attendent aussi. Mais c'est pas parce que vous savez tout, hein. Voilà, donc c'est là aussi, c'est. Mais vous savez, vous savez des choses qu'ils ne savent pas, et eux aussi, ils ont des choses à vous apporter. Donc voilà, c'est des échanges, vous savez, des échanges de pas de services, mais de compétences en fait. Et donc là, il y a de l'avenir, ça c'est sûr. C'est-à-dire que si vous travaillez ensemble sur une séquence, il faut la concevoir ensemble. Mais du coup, ça signifie aussi que les enseignants spécialisés, vous avez aussi une certaine latitude. Vos missions ne signifient pas qu'à chaque moment, vous serez en présence d'élèves. Ça signifie également que parfois, mais là, il faut que ce soit noir sur blanc, que ce soit négocié, que ce soit bien dans un projet et que chacun ne fasse pas comme il en a envie, mais bien de déterminer à certains moments des interstices qui permettront d'être parfois dans la classe avec des observations, d'être avec à des moments de désigner sur les 108 heures des temps où on va pouvoir travailler sur la composition, sur le travail avec un cycle par exemple, et là on sera sur des préparations communes, et ça me paraît obligatoire. Parce que si effectivement il n'y a pas de temps où on peut discuter, négocier, controverser et élaborer, ben, on sera toujours sur des voies qui seront complètement séparées, et ça ne pourra pas aller. Oui, bien sûr. Et ça aussi, ça demande... Bien sûr. Et ça demande effectivement des nouvelles manières de faire. Mais faites attention, c'est-à-dire il faut vraiment qu'il y ait une négociation et que les choses soient bien posées avec des ordres du jour, avec ce que pour pouvoir légitimer aussi ce que l'on fait et l'importance que ça peut revêtir. Je vous remercie beaucoup de toute votre attention et j'espère que ça vous donnera des éléments.